j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'enchaîne ma troisième vidéo de l'après-midi, je suis plutôt fière de moi. Donc je viens de unboxer ma My Little Box et franchement j'en suis encore sur les fesses. Donc là je vais unboxer la Blissim, j'espère qu'elle va être à la hauteur. C'était ma box préférée de tous les temps, je l'ai adorée, je l'ai usée, abusée pendant des années. Mais après, quand j'ai commencé à vendre mes produits sur internet, ben, je ne pouvais plus trop, entre guillemets, parler d'autres marques. Donc j'avais arrêté, j'avais beaucoup trop de produits aussi. Et là, j'ai vraiment ce besoin de tester, de découvrir, de vous partager des choses. Donc j'ai décidé de me re-abonner à 3 box. Donc la Prescription Lab, que j'ai déjà ouverte avec vous. D'ailleurs, j'ai mis sa déco ici parce qu'elle est trop belle. La My Little Box et la Blissim. Je suis en train de voir si je ne vais pas rajouter la Loup Fantastique, mais bon, il faut que je vois si financièrement je peux. Mais en tout cas, ces trois-là, je les aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai le calendrier de l'avant juste derrière parce que je l'ai vu sur internet et il était magnifique. Et ce qu'il y a dedans, j'adore. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Je vais prendre ma petite pince à épiler. Ah, c'est une box tiroir. J'adore les box tiroirs. Ma box se présente comme ceci. J'aime beaucoup les dessins. Ils sont très branchés fleurs et verts en ce moment. C'est un tiroir qui m'a l'air très bien rempli. Donc, je suis plutôt contente. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Je ne sais plus si j'ai regardé sur internet ou pas. On va l'ouvrir. Bon, j'ouvre tout. Alors, Feel Good. Je ne peux pas, s'il y a besoin de regarder avec son téléphone, je ne peux pas. Je filme avec mon portable. Donc, voilà, suivez le guide pour retrouver les informations. Voilà, je ne peux pas. Nos favoris du mois. Ah, j'ai 15 euros sur le site Herbarium. La Splendide en édition limitée, je l'ai vue, hein, mais je ne peux pas tout acheter. Back to School, édition limitée, objectif bonnet, ah, postpartum, machin, tout ça. Bon, mais je ne peux pas avoir le détail puisque je filme avec mon téléphone, c'est pas grave. Alors là, on a une jolie petite illustration de Herbarium. Donc je pense que si tu les reçois en vrai, c'est des vraies fleurs séchées. Le charme des vrais herbiers, voilà. Oh, j'adorais faire des herbiers quand j'étais petite. Il a été fait le 17 juin 2022. Bon. Plutôt sympa pour décorer toujours. Je vais la mettre avec mon autre de My Little Box. Alors, en premier, on a un produit, voilà. Donc, il me semble que c'est la marque de Nolita. C'est aussi un baume pour le corps hydratant. Donc, je ne suis pas spécialement attirée par la marque qu'elle a fait, bien que j'aime bien suivre sur YouTube un petit peu ce qu'elle fait. Donc, 97% d'origine naturelle. Vegan, voilà ce qui va vous mettre du baume au cœur et au corps. Ses plus beaux atouts, son parfum tout doux de fleurs d'oranger. Ah ben peut-être que j'aurais dû m'y pencher, hein, j'adore la fleur d'oranger. Et sa formule hydratante à base d'huile d'amande douce. Ah bon ben là on a deux trucs que j'aime bien. Pourquoi je ne me suis pas penchée dessus alors? En fait il y a tellement de gens qui font des marques que je ne peux pas tout suivre. Ah ouais j'adore. Ah ben, erreur. Erreur de ma part. J'adore l'odeur. Donc ben, je vais la tester aussi. Je vais peut-être tester elle avant de tester celle que j'ai eue de Caudalie là, dans My Little Box parce que le format est plus petit. Le format fait 40 ml. Mais pour tester, pour se donner une idée, c'est pas mal. En plus, j'aime bien Camille. Ensuite, j'ai de la marque Luzetta. Je ne connais pas. Un gel douche, arbre à thé et huile de chanvre. Je ne connais pas du tout la marque. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Infusé d'un puissant mélange d'huile d'arbre à thé, de chanvre et de menthe poivrée, ce gel douche Luzetta nettoiera et hydratera votre peau en douceur. Les notes de menthe poivrée et d'huile de lavande procureront une sensation d'apaisement et de rafraîchissement à votre peau. Je suis curieuse de sentir. Vous savez que moi, j'ai un problème, je sens tout, que ce soit la bouffe ou les produits. Ah ! Ça sent bien la menthe. Il y a une odeur qui me fait penser à mon thé préféré que je bois en ce moment. Ouais, plutôt pas mal. Plutôt sympa. Ensuite, de la marque Bioderma, laboratoire dermatologique, sébium H2O, eau micellaire nettoyante purifiante, peau mixte et grasse. Je suis pas hyper fan des eaux micellaires, mais pour enlever mes swatchs par exemple, ou de temps en temps, si j'ai fait un caca ou quoi, je suis plutôt pas contre, mais je n'utilise pas que ça. En fait, c'est à double tranchant. J'ai vu qu'il fallait utiliser une eau micellaire après s'être lavé le visage parce que l'eau de la maison est calcaire. Mais j'ai vu que l'eau micellaire était faite avec des micelles et que c'était pas bon. Donc moi, je ne sais plus qui croire ni quoi faire. Du coup, bah, je n'en utilise pas. Mais je vous avoue que vu comme mon eau est calcaire, je ne sais pas c'est quoi le pire.
La marque Bioderma est pas mal, donc élimine l'excès de sébum et assainit l'épiderme. Imbiber un coton, nettoyer le visage sans rinçage. Franchement, ma peau, c'est mis à grasse, c'est une catastrophe, le sébum, les points noirs, tout ça, c'est revenu. Donc, je suis plutôt curieuse de tester. Et il y a 100 ml, franchement, on n'aurait pas dit hein, qu'il y avait 100 ml, mais c'est plutôt un bon grammage. Ouais, pas vraiment d'odeur particulière, mais plutôt sympa. Oh, je suis plutôt contente. C'est pas aussi ouf que celle d'avant, hein, mais c'est quand même pas mal. Ensuite, ah, trop bien! Ah, mais je suis trop contente! Ben voilà, j'ai dit un truc et ça y est. Les secrets de Loli, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de tester, mais pareil, avant je pouvais pas tester. 98,9% d'ingrédients d'origine naturelle, EcoCert, Cosmos Natural, il y a 100 ml. Oh, c'est l'après-shampoing, j'aurais trop aimé avoir le shampoing. Crème conditionneur, après-shampoing, huile d'amande douce, protéines d'amande et olive pour les boucles. Je veux tester cette marque depuis très longtemps, j'en entends parler. Et j'avais commencé à regarder un petit peu les coffrets qu'il y avait pour les cheveux. Mais je vous dis, j'ai acheté trop de trucs en ce moment, il faut que je me calme. Le Weightless Programme a été conçu pour les types de cheveux du 2B au 4C qui désirent une expérience unique de légèreté combinée à des bienfaits. Il faudra que je regarde c'est quoi mes cheveux. Bon, là c'est n'importe quoi, mais. Sans colorant, sans silicone, sans sulfate, sans alcool, sans huile minérale. C'est emballage recyclable, capuchon compris, vegan et cruelty-free. Donc, ça déjà, je valide, j'adore. Ce qu'il fait pour les types de textures ondulées, bouclées et crépues. Notre CC Crème est un curl conditionneur infusé d'oligopeptides issus de la protéine d'amande douce, véritable gainant naturel. Les oligopeptides apportent volume, protection et légèreté. Notre actif émollient issu de l'olive facilite le démêlage et favorise la souplesse. Notre après-shampoing certifié par EcoCert contient de l'huile d'amande bio issue de l'agriculture biologique. S'il y a des bio, issus de l'agriculture biologique. Hein. Qui apporte de la douceur et améliore la formation des boucles sans les alourdir. Le petit plus weightless, notre bétaïne, contient un dérivé d'aminoacides naturels qui augmente la capacité de rétention d'eau de la fibre capillaire. Résultat, des boucles flexibles et lumineuses. Mais j'adore! Ah, mais je suis trop contente! Oh, il sent bon! Il sent le bonbon! Moi qui peux plus en manger. Enfin, des fois j'en mange, mais. Oh! Oh ben, je suis trop contente, je suis refaite. Ok, bon ben. J'ai rien dit, je suis trop contente, la blissime. Ils montent dans le cœur, c'est clair et net. Et enfin, ça, je l'avais vu passer. Anastasia Beverly Hills. C'est pour ça que je l'ai commandé la box. Donc, c'est le Brow Wiz pour les sourcils. Déjà, de 1, je ne l'ai jamais testé, je ne l'ai jamais eu, je ne le connais pas. De 2, vous savez qu'en ce moment, je galère avec mes sourcils parce que je n'ai plus de produits à sourcils, j'ai que ma petite brosse là, de chez Beautylee. Et je ne savais pas quoi acheter. Et quand j'ai vu que dans la blissime, c'était offert, enfin c'est offert, je l'ai payé 5 € ce mois-ci avec une réduction. Donc ça coûte pas 5 €. Ça, je pense pas que ça coûte 5 €. Donc franchement, c'est offert pour moi. J'ai pris la teinte top. Je me suis peut-être un peu chiée sur la teinte. Je sais pas trop. Mais on va l'ouvrir ensemble. Je suis trop contente. Ben voilà. Franchement, je suis ravie. Voilà comment il se présente. Alors ça, j'en ai entendu parler chez toutes les plus grandes youtubeuses beauté. Donc le petit goupillon. Le petit feutre. Enfin, le crayon. Ah ouais, je me suis chiée dans la teinte. C'est trop clair. Ah, c'est dommage. Voyons, on va quand même tester. Ouais, moi c'est plutôt cendré, hein. Ouais, encore que. Il y a peut-être quelque chose à faire. Écoutez, je vais tester quand je ne serai pas maquillée. Mais je suis plutôt ravie. Donc, qu'est-ce que j'en pense de cette box? On a 5 produits. On a eu un produit make-up que je valide. Bon, peut-être chez la teinte, mais là, c'est ma faute parce que c'est moi qui l'ai choisi. Ça, pour les cheveux, je valide. En plus, en ce moment, je prends mes petits compléments de la marque Birdie pour retrouver de la masse et de la longueur parce que depuis mon opération, je les perds partout. Et je vais pouvoir dessiner mes boucles, donc je suis hyper contente. La marque Voilà, j'étais pas vraiment attirée par cette marque. Et au final, l'odeur, elle a juste l'air somptueuse. Donc moi, vous me mettez de la fleur d'oranger, de la noix de coco ou de l'amande. Je suis là. Donc, je valide, j'ai hâte de tester. Ensuite, ça,
C'est pas le truc le plus ouf, mais c'est toujours utile d'avoir des petits gels douche comme ça pour quand on part en week-end, en vacances, etc. et qu'on n'a pas envie de s'encombrer avec le gros paquet, je valide. Et ensuite, l'eau micellaire, franchement, pour enlever mes swatchs et tout quand je filme, c'est plutôt pas mal. Donc, je suis plutôt ravie de ce que contient ma Blissim. Je vais, une fois que j'aurai fini de filmer la vidéo, aller regarder du coup sur le site en passant par là. Qu'est-ce que c'est, tout expliquer, les prix, comme ça je vous les mettrai. Mais franchement, je suis plutôt contente et j'ai hâte de recevoir celle du mois prochain. Je sais que des fois, ils font des petites teasers, etc. sur la box du mois suivant. Là, il n'y a pas l'air d'y avoir quelque chose d'écrit. Ça sera peut-être sur Internet. Et dites-moi, quel est le produit que vous avez préféré? Moi, vu que je me suis trompée de thème, je pense que c'est ça parce que j'ai très envie de tester depuis très longtemps. Franchement, les secrets de Loli, j'en entends parler partout. Donc, j'ai hâte de me laver les cheveux pour essayer tout ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce dans l'eau, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et on se voit à la prochaine. Prenez bien soin de vous!